Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Donc on va parler aujourd'hui de Gohan, mais on va parler aussi bien entendu du film Dragon Ball Super Super Hero. On a eu le nouveau teaser qui faisait plus que plaisir. Franchement, il m'a boosté, il m'a rappelé des émotions que j'avais eues à l'époque quand j'ai été voir le film au cinéma. L'attaque du dragon, les amis, voilà, avec Hildegarde, Papillon, tout ça. Il y avait aussi le film Fusion qui était par la même occasion. Franchement, ça m'a rappelé ces émotions-là, les amis. Oui, on voit du Gohan qui jaillit de nulle part. Il est prêt à fighter l'armée du ruban rouge. Et d'ailleurs, il n'est pas prêt qu'à les affronter, puisqu'il les affronte. Et ça, c'est magnifique, les amis. C'est magnifique, franchement, j'ai pas vu ces images arriver. On avait eu une petite affiche qui avait été teasée, voilà, dernièrement. Voilà, il y a quelques jours de cela. J'ai vu le Gohan, j'ai fait ok, il est badass. Mais là, les amis, le voir en action, pff, les picotements sont là. Je sens, les amis, que je me transforme en SSJ. L'ultimate va débarquer. L'ultimate Rikli, les amis. Tellement la puissance est là. Jamais, au grand jamais, excusez-moi, le Masenko a été aussi puissant. Le Masenko de la puissance, les amis, il est là aujourd'hui. Tout simplement parce que là, ce Gohan, il est vraiment badass. Il était trop stylé. Franchement, franchement, les amis, une cape, c'est magnifique. Une cape avec des lunettes, c'est encore plus magnifique. Mais ensuite, le Gohan n'a plus les lunettes. Il n'a plus la cape. Et là, il passe en SSJ. En SSJ, c'était de toute beauté. Les couleurs étaient magnifiques. Elles étaient vives et elles étaient vraiment vivantes. C'était vraiment splendide. Ensuite, il met toute sa rage. Il passe du SSJ à l'ultimate Gohan. Explosion ultime galactique, les amis. C'était monstrueux. Franchement, ce trailer, ce teaser m'a complètement séduit, j'ai surkiffé les amis, et là vraiment j'ai eu les picotements, moi j'étais en SSJ, je suis passé ensuite en Ultimate, tellement la puissance était là, le cri de Gohan était magnifique, le Seiyu était remarquable, waouh, bon faites pas attention, j'ai mal à ma gorge, mais Gohan lui n'avait pas mal à sa gorge, la puissance était là les amis, et regardez ces petits effets, moi franchement le CGI il me convient totalement, c'était de toute beauté, regardez ces petites particules comme ça qui volent vers le haut, de gouttelettes d'eau comme ça. C'est beau, c'est magnifique. Gohan était magnifique, tout le monde était magnifique. Piccolo était aussi en action. Franchement, ce film, il me hype de plus en plus. Voilà, on voit du Gohan, on voit du Piccolo. Bon, on peut faire peut-être un petit peu le Daius sur Goten. Peut-être qu'il va faire une petite apparition pour dire à Gohan, hey, Gohan, salut. Bon, voilà, je rigole un petit peu sur ça. Vous allez peut-être faire le Daius sur Goten et Trunks. Mais bon, les amis, on a Gohan, mais oui. Et là, franchement, c'est pas de la puissance qu'on a. C'est vraiment... Le film, je vous le dis tout de suite, je vais kiffer. Je vais kiffer l'armée du ruban rouge. On utilise peut-être les vieux outils, mais franchement, ils ne sont pas rouillés ces outils, les amis. Et c'est ça qui fait plaisir, c'est ça qui fait plaisir. On parle quand même de l'armée du ruban rouge, voilà, elle s'est refaite, elle se refait une petite beauté. Et bon, je suis pas sûr qu'ils soient vraiment fans de beauté, parce qu'ils ont l'air un peu plus vilains, un peu plus moches, mais bon, ça c'est pas grave. Le gamma 1, Gohan, il lui fonce, bam, coup de tête, tiens, je rigole pas moi, je rigole pas, tombe par terre. Mais non, il est pas tombé par terre. Et Gohan a dû mettre le paquet ensuite, SSJ et tout. C'était fabuleux, franchement, les amis. Voilà, cette vidéo, je sais, elle ne sert à rien, je vous dis juste que je kiffe. Et voilà, quelquefois, il faut faire ce genre de vidéo, dire juste qu'on kiffe. Et franchement, là, en plus, je dois y aller travailler. Je vais peut-être me mettre en retard juste pour faire cette vidéo. Mais il fallait que je la fasse. Il fallait que je la fasse parce que il y a énormément de youtubeurs qui vont parler de Gohan. Je suis désolé. On n'entend pas parler de Gohan de leur part. Et du jour au lendemain, ils vont dire oui, Gohan, c'est de la bombe, c'est de la balle, c'est de la bombe, c'est de la balle. Je suis désolé. Si on n'entend pas de leur bouche le nom Gohan toute l'année, c'est que finalement, le personnage, ils sont peut-être pas si fans que ça. Alors oui, moi j'en parle tout le temps, je vous fais un Masenko à chaque fin de vidéo les amis. Oui, un Masenko à chaque fin de vidéo. Gohan, c'est l'ultimate personnage pour moi. Et je sais que vous êtes nombreux aussi à le surkiffer. Mais ceux qui n'en parlent pas toute l'année, c'est que peut-être que finalement vous ne l'aimez pas. Je ne vous invite pas, je ne comprends pas. Moi j'irai pas voir vos vidéos, je suis désolé. Je n'irai pas voir la vidéo de ceux qui parlent de Gohan comme s'ils l'ont surkiffé toute leur vie. C'est pas possible, c'est juste pas possible. Ici, oui, et vous pouvez être nombreux à le dire en commentaire, n'hésitez pas. Gohan, je l'ai toujours surkiffé. Et vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux à le kiffer. Il y a des pseudos, il y a des abonnés qui sont présents sur la chaîne Ricky Fighters et Boo Fighters qui surkiffent Gohan. Je pourrais citer des noms, Sebou par exemple. Sebou les amis, Sebou Gohan il s'appelle. Ah, s'il n'aime pas Gohan, je comprends pas les amis. Je suis désolé, il me l'a toujours dit, il surkiffe Gohan aussi, personnage préféré de sa part. Voilà, et encore, je peux encore passer plusieurs les amis, mais bon, on va pas faire la liste complète. Voilà, c'est juste parce que c'est le premier abonné de la chaîne, il fallait que j'en parle, le premier ou deuxième.
Donc voilà, là il fallait que je cite son prénom. Big up à toi mon gars. Voilà. Bon, j'ai assez duré la vidéo parce que les amis, je dois y aller travailler. Mais franchement, vous avez compris, franchement, ce teaser, il me hype. Alors, il faut quand même avouer, avant que je vous lâche, avant que je vous abandonne, les amis, c'est que Boo avait l'air d'avoir plutôt raison. Voilà, j'ai l'impression qu'il va avoir une partie un petit peu qui va se passer sur la Terre. Et une partie, bon, après c'est vrai que Goku a l'air de s'entraîner, Vegeta aussi a l'air de s'entraîner sur la planète de Beerus notamment. Il a l'air d'avoir peut-être du Broly de ce qu'on avait pu voir dans une image. Donc voilà, maintenant, est-ce que la menace va totalement se passer sur la Terre? Je sais pas, mais en tout cas, l'armée du Ruban Rouge va vraiment essayer d'embêter un peu le monde entier. Gohan va être là comme un sauveur, Piccolo aussi va être attaqué. J'ai l'impression qu'ils vont récupérer un petit peu quelques données par-ci par-là pour créer finalement une machine ultime qui n'est pas présente d'ailleurs dans l'affiche. Elle n'est pas présente dans l'affiche. Ne pensez pas que ça va être Gamma 1 et Gamma 2 les ultimes méchants. C'est pas parce qu'on nous montre ça sur une affiche qu'il n'y a pas quelqu'un au-dessus. Moi, je vous dis, il y aura quelqu'un au-dessus. Oui, on nous garde la surprise et c'est ça justement qui est bien. Maintenant, j'espère qu'on va pas en voir plus. Je vous le dis honnêtement. Je suis hypé à fond, je suis reboosté complètement. Voilà, je suis à la limite de devenir un ultimate devant vous, les amis. Donc, il faut pas enlever cette intensité. Laissez-moi dans cette hype à fond. Faut pas qu'on redescende comme ça. Montrez plus de trailer, montrez plus d'images. Le seiyuu de Gohan était juste remarquable. Wouah! Bon, je reviens là-dessus, je me répète, c'est sûr. Mais franchement, j'ai kiffé. Et en quelques secondes, il n'y a pas fallu plus que ça pour me mettre la hype à fond, les gars. Franchement, le Gohan était badass avec des lunettes. Je l'ai pas vu arriver lui. Clairement, je l'ai pas vu arriver. En plus avec la bite Piccolo, le best quoi. En version adulte, vous savez très bien que mon personnage préféré de, enfin, ma version préférée de Gohan, c'est la version ultimate, la version ultime, la version adulte avec la bite Piccolo. Que demander de plus? Franchement, que demander de plus? Et là avec la cape, franchement, c'est la petite cerise sur le gâteau. Avec les lunettes, franchement, trop stylé. Et ensuite, voilà, ils les enlèvent parce que les lunettes, c'est cool un moment, mais voilà, on veut du Gohan sérieux. Et là, il nous a montré qu'il était capable d'être sérieux. Il se fight franchement toute la remets du ruban rouge et ça va être de toute beauté. Allez, les amis, je vous laisse sur un Masenko. Bien entendu, on parle de Gohan. Je vais pas vous faire un caméo, mais quand même, les amis. Non, un Masenko. Allez, je vous laisse même la petite intro qui va s'en occuper tout seul. Intro de Masenko. Votre feu est exaucé, je dois m'en aller. À bientôt.